Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de Transfert Afrique. On démarre avec Pablo Longoria qui est prêt à attendre la fin du mercato pour vendre Boubacar Camara, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Newcastle et Séville sont intéressés. Camara qui est sur les lèvres de tous les supporters marseillais, titulaire lors du premier match de Ligue 1 face à Montpellier. Boubacar Camara fait pour le moment partie des plans de Georges Sampaoli. Il faut dire que les offres concrètes peinent à se manifester selon l'équipe. Le quotidien explique que Newcastle s'est bien positionné oralement pour une offre de 14 millions d'euros refusée par Longoria. Ce dernier joue la montre alors que Séville a aussi montré de l'intérêt pour le joueur en cas de départ de Jules Koundé, pisté par Chelsea. Âgé de 18 ans, le milieu Ilexi Moriba ne veut pas prolonger avec le Barça. Le RB Leipzig est à l'affût pour récupérer le joueur dont le contrat expirera en juin prochain, renvoyé en réserve depuis que les deux parties ont échoué à trouver un accord pour renouveler son contrat qui expire en juin prochain. Ilexi Moriba devrait quitter le Barça. Le milieu de terrain a reçu des offres de plusieurs formations de Premier League, mais c'est un club allemand qui pourrait attirer le joueur après avoir déjà tenté de le recruter. L'année dernière, le RB Leipzig aurait renouvelé son intérêt, comme l'indique Mundo Deportivo. Réputé pour sa capacité à faire progresser les jeunes talents, le vice-champion d'Allemagne serait en effet particulièrement bien placé. Parlons de Abouba, le milieu de terrain de 23 ans quitte une nouvelle fois la jaunelière. Cette fois-ci, Abouba part à l'US Alexandria Calcio, club de série B italienne. Abou n'a toujours pas joué un seul match au FC Nantes et n'a joué que 3 matchs avec la réserve, et ce n'est pas prêt de changer cette saison puisque le milieu de terrain enchaîne son 3e prêt alors qu'il avait tenté la Grèce avec l'Aris Salonique entre 2019 et 2020. Abouba va rester en Italie après Cosenza la saison passée. Le joueur est arrivé en 2019 à Nantes contre 1 million d'euros en provenance de Nancy, ce qui a permis de sauver les Chardons d'une rétrogradation administrative de la DNCG. À 23 ans, Abouba n'a joué que 90 matchs officiels et aucun à Nantes. Toujours dans Transfert Afrique, l'Olympique de Marseille lorgnerait bel et bien sur Zinedine Ferrat, mais il n'y aurait rien de concret à l'heure actuelle d'après Foot Mercato. Le bien informé Mohamed Taboucheter nous apprenait que l'OM lorgnerait toujours sur le profil de Zinedine Ferrat en vue d'un éventuel transfert cet été, après avoir vu s'éloigner les pistes menant à Thiago Almada ou encore Amine Adli. L'international algérien figurerait sur une liste de Pablo Longoria cet été. Toutefois, Foot Mercato nous apprend aujourd'hui qu'il n'y aurait toujours rien de concret entre l'Olympique de Marseille et Zinedine Ferrat. Transfert Maquette estime la valeur marchande de Zinedine Ferrat à 8 millions d'euros pour le recruter. L'Olympique de Marseille devrait donc formuler une offre proche de ce montant à Nîmes. À présent, rare satisfaction des Girondins de Bordeaux. La saison dernière en Ligue 1, Yacine Adli possède une belle cote sur le marché et le Milan AC semble intéressé par son profil. D'après les renseignements de l'équipe, le club aux spéculaires aurait reçu une proposition de l'ordre de 10 millions d'euros pour son milieu de terrain en provenance d'Italie et du Milan AC. Une offre étudiée par les Girondins, même si pour le moment rien n'est décidé, comme le précise le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le joueur bordelais a jusque-là disputé 69 rencontres sous la tunique bordelaise. Pour 5 buts inscrits et 8 passes décisives, il avait été recruté en échange d'un chèque de 5,5 millions d'euros en janvier 2019 et son club formateur, le Paris Saint-Germain, devrait percevoir 40% de la plus-value à faire à suivre. Terminons le journal avec le RC Lens qui a aussi tenté sa chance pour Amine Adli. Le joueur de Toulouse FC, 21 ans, cible de l'OM, qui se dirige plutôt vers le Bayern Munich. La rumeur avait déjà circulé il y a quelques semaines et l'équipe l'a confirmé dans son édition du jour. Profitant de ses belles relations d'affaires avec le Toulouse FC pour la dernière année de contrat d'Amine Adli, le président toulousain réclame en effet entre 10 et 15 millions d'euros, ce qui fait reculer le RC Lens. De plus, le club ne partait pas favori
face à une concurrence féroce incluant le LOSC, l'Olympique de Marseille de Pablo Longoria, l'Estac Wolfsburg et surtout le Bayern Munich. Aux dernières nouvelles, c'est le club bavarois qui était en poule sur le dossier mais attendait de dégager un peu de liquidité pour faire une offre. Offre qui sera sans doute inférieure à 10 millions d'euros minimum attendu. Amin Adli de son côté a aussi choisi les Bavarois. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis, mais avant de vous quitter, vous pouvez toujours donner vos avis en commentaire.